Pérou. Donc, à Lima, plus précisément. On a passé une nuit quand même très active. Oh non, oh my god, sérieusement, la gang. On a tellement eu peur. En tout cas, moi j'ai tellement eu peur, j'ai pas dormi, il y avait plein de bruit. On entend du monde crier dehors, des chiens japper. En tout cas, c'était assez fou, là. Comme pour vrai, puis... on est vraiment dans le ghetto. On est vraiment dans le ghetto, puis on savait pas, genre, puis c'est sans joke, le vrai ghetto. Là, non, c'est assez. C'est quelque chose. J'ai peur de sortir d'ici à matin. Je vais vous montrer dehors de quoi ça a l'air. De jour, on vous l'a montré hier de soir, mais de jour, ça ressemble à ça. Donc, l'inspire pas confiance. Sinon, on va aller. Je vais juste vous montrer le couloir de l'hôtel. C'est quand même assez impressionnant. Oh, ça va encore. Il y a une canette de bière avec le Wi-Fi. Ah, c'est comme la prison, genre. La... C'est vraiment ce qu'il y a. L'odeur, vous devriez sentir. L'odeur est terrible, terrible, terrible. Ici, on a le petit coin. Le terminal d'autobus pour Paracas. Ouais. Donc. Là, on est encore à Lima. C'est très sketch. C'est comme. On l'a vécu dans le noir, mais là, on le voit dans le jour. Aïe, oublie ça là. Ici, le monde, ils ont pas de clignotant. Ils se tassent la cuvelle, ils klaxonnent pour dire je m'en viens. Juste une chose à dire, c'est vraiment dépaysant. Vraiment. Jamais je suis allée dans un pays aussi dépaysant que dans un pays. Ouais, d'abord, ça veut dire quelque chose. Deux, ça veut dire qu'elle est proche. Deux klaxons, ça veut dire qu'elle est proche. Qu'est-ce qui se passe? Sur l'autoroute au Pérou, on est plus de gaz. Oh mon dieu. Bon, vlog update. On est sur une autoroute au Pérou. Vas-y, Yann. Non? Ok. On est sur une autoroute au Pérou. Et on a plus de gaz. Il y a juste à nous autres que ça l'arrive. Oh mon dieu. Yann, ça va? Oh. Là, il y a une côte à monter, là, on sera jamais capable. Hey, c'est-tu sérieux, là? Il n'y a plus de gaz? Ben, je pense pas que c'est le gaz. Il m'a dit quelque chose, mais j'ai pas compris. Ok, mais comment il doit être habitué? Il avait l'air à savoir qu'est-ce qu'il faisait. Il dit, hop. Ça, c'est une belle journée. Je suis pas bien. Je peux pas craindre. Je suis encore vivant. On est sur l'autoroute. Oh mon dieu, j'ai goût de me cacher. Allô Yann? Vlog update? Vous avez tellement d'affaires, c'est incroyable. Là, on est rendu au resto et on n'a aucune idée de ce qu'on a commandé parce qu'elle nous parlait en espagnol et dans le fond, on ne savait pas trop ce qu'elle nous disait. Mais c'est quand même bon, peut-être pas ça. Ça, c'est juste ça. Puis dans le fond, après, on s'en prend notre autobus qui est comme à 2 h. C'est encore dans 2 h. C'est quand même. Sélection Paracas. Puis ça, hein, c'est bizarre. Au lieu d'amener de l'eau, genre, elle nous amène un enfant dans le même qui goûte les petits cœurs à cannelle un peu. Ouais, c'est pas très. C'était glacé, mais malheureusement, non. Non, vraiment pas.
Fait qu'on va manger, puis on vous parle plus tard. Dans le fond, on pensait que ça, c'était notre repas, mais on en a mal compris, on avait une entrée. Ça, c'est mon repas. Ça, c'est des bananes, on dirait, frites. Mmh. Ça, ça va. Peut-être. Gracias. Ça va quand même bon. Toi? Je sais pas c'est quoi, moi. C'est du bœuf, t'as fait ça? Vraiment bon. C'est vraiment, on attend l'autobus. On est à la gare de Lima. Ça a été toute une histoire pour ça. Hein? Fait que là, on s'en va à Paracas, dans le fond, qui est une ville en prison. 4 heures d'autobus, où on est présentement à Lima. À Paracas, dans le fond, on veut aller à la Playa del Mina. Donc, on est présentement dans l'autobus qui nous amène à Paracas. Puis, c'est tellement budget, la gang. Checkez ça. Apparemment, le banc, il se penche comme. Tu peux dormir. Il est vraiment confus. Ensuite, on a une télé ici. Si la personne se penche, tu peux genre l'écouter quand même. On a un enfant pour mettre nos jambes. Vraiment confort. On a une couverte. On a un oreiller. Hein, Yann? C'est budget, hein? Combien ça nous a coûté? 8$. Là. C'est vraiment budget. Puis Eric est là. On est tous séparés parce qu'il n'y avait pas de place à côté. Pas grave, hein? Fait que pour l'instant, j'ai personne à côté de moi, mais c'était réservé à moins que la personne a cancellé, mais... Ben, je pense pas, c'est plein. Je pense qu'on va prendre la place. Ouais, mais quand on a voulu réserver, là, Yann... Yannito. Yann. Quand on a voulu réserver, là, il y avait quelqu'un à côté là, sinon on l'aurait pris. Il était déjà pris. Tu catches? Puis on a même un repas inclus. Ça a l'air qu'il y a le Wi-Fi. En tout cas, à suivre. Fait que. Il y a du monde qui s'en vient. Je pense qu'ils vont peut-être s'en trouver ici. À peace. On est rendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. On est rendu à Paracas! Et c'est vraiment cute, on dirait. Fait que. On vient de débarquer l'autobus, puis là, on s'en va à l'hôtel, à pied. Parce qu'on est comme à 500 mètres. Ben, hâte de voir cet hôtel-là. Hâte de voir, moi aussi. Mon Dieu, ça a l'air sketch. Comment qu'on fait sur ça? Ok. Elle a dit c'est risky, hein? Ben, non, elle sait pas ce qu'elle dit. Elle a dit ça. À qui qui parle? Donc, on est rendu dans notre petit hôtel. Minuscule, mais ça fait le job. Avec le code d'Alpagos. C'est vraiment fait avec la laine d'Alpagos. Là. C'est doux. Je suis sûr que je suis allergique. Fait que, hein? Je suis sûr que je suis allergique. Ben non. Il est où ton portefeuille, hein? Fait que, oh, on va aller manger. J'ai un sac à Vegas si jamais. Hein? Dans la vidéo. Si jamais. On va manger. On s'en va manger, fait que. On va vous reparler tantôt! Au revoir! J'ai pas vraiment de... On s'en va à la Playa de la Mina. Playa de la Mina.